Alors ça sent bon. Donc la cuve est pleine de coucou de bois de rose. Là on va fermer. On la met au-dessus. Le bac d'eau et la vapeur va passer au travers. Donc je mets une petite terre pour pas que les cocos qui descendent dans l'eau. C'est fait à l'eau de pluie, pour pas qu'il y ait de pollution avec les traitements de l'eau. Environ 50 litres d'eau pour une distillation. Il n'y aura pas 50 litres d'eau et voilà. Là, là c'est à peu près 50 litres. Non, non, là, il n'y aura pas 50 litres. Ah, non, non, non. Il y en a qui s'évaporent aussi. Et là, on va laisser environ entre 20 minutes et une demi-heure que la vapeur commence à monter. Et après, ça va commencer à couler l'hydrolat avec l'huile essentielle. Bonjour, je me présente, je suis Catherine Soulage. J'ai un centre de formation en aromathérapie depuis plusieurs années. Et j'étais déjà venue voir Christophe Couturier sur la distillation du bois de rose. C'est un programme fascinant, le bois de rose en Guyane. Je vais d'abord laisser Christophe se présenter un peu plus. Donc Christophe Couturier, planteur et distillateur de bois de rose. Donc le bois de rose en Guyane a été surexploité au siècle dernier. Et comme il y en a presque en forêt, on n'en trouve presque plus. Avant c'était une essence très courante. Donc j'ai refait des plantations. Enfin, j'ai fait des plantations parce qu'il n'y avait pas de plantation. Avant c'était naturellement que ça poussait dans la forêt. Et maintenant c'est rare d'en trouver.
Donc, j'ai racheté un endroit où il y avait quelques vieux arbres qui a permis d'avoir des graines parce que c'est une espèce complètement protégée. On n'a pas le droit de ramasser les graines en forêt. Et ça a permis de faire des pépinières pour pouvoir replanter. Et là, j'ai planté déjà chez moi 3000 arbres et au total plus de 10 000. Et je distille un petit peu les jeunes branches et des bois qui ont été saisis par l'ONF. Et quelques vieux arbres qu'il y avait sur ma plantation qui a permis d'éclaircir un peu pour que les autres poussent mieux. Le bois de rose donc, est contenu dans le bois et dans les cordes de l'arbre. Y a-t-il un âge particulier où l'arbre peut être coupé? Il a son maximum d'essence aromatique. Autour de 30-40 ans. Mais quand on fait les exploitations, c'est dans tout ce qu'on connaît pour le moment, c'est entre 15 et 30 ans que ça produit le plus. Parce que l'arbre est jeune et il y a beaucoup d'huile dedans. D'accord, mais donc finalement, il faut quand même qu'il ait un tronc, je crois, d'un diamètre de 20 cm. Entre 20 et 30 cm. Voilà, c'est diamètre. Ça. Et la couleur alors de ce bois et de cette écorce? L'écorce est marron, mais le bois, lui, est plutôt jaune. C'est pas vraiment rose, on l'appelle bois de rose, c'est plus parce que ça sent, mais c'est pas pour la couleur du bois. C'est vrai que l'odeur est très très agréable, et c'est dommage que vous n'en profitez pas, parce que nous, ça commence à sentir. Rien qu'en mettant déjà les copeaux dans la cuve, ça sent très bon. Ouais, ça sent bon quand ça a été broyé comme ça, ça casse les molécules où se trouve l'huile essentielle, et ça parfume tout de suite. D'accord, et au niveau du bois de rose, il y a toujours ce quiproquo par rapport au bois de rose de Guyane et du bois de rose du Brésil, mais c'est la même variété, c'est-à-dire le bois de rose amazonien. Oui, on trouve le bois de rose en Amazonie, jusqu'au Venezuela, et en passant par le Suriname et Guyana, on en trouve au Pérou aussi et en Équateur, je crois. Donc il y a une grande. Mais ça a été tellement surexploité partout que maintenant on en peut pour ainsi dire plus. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de cette exploitation aujourd'hui. De replanter, et en Guyane, il y a peut-être 20-30 nouvelles personnes qui veulent planter du bois de rose. Donc il faut avoir des autorisations de la DIREN pour pouvoir faire les plantations. Mais c'est une bonne chose tout ça, de relancer le bois de rose et de revaloriser justement le patrimoine guyanais. Ah, oui, oui. Parce que l'huile essentielle issue du bois de rose guyanais, disons-le, est quand même meilleure. Oui, au siècle dernier, le bois de rose de Guyane était recherché parce que la qualité était supérieure à celle du Brésil. Leur qualité est supérieure parce que le bois de rose guyanais contient donc plus de linalol, qui est une molécule assez spécifique et qui fait d'ailleurs la spécificité de ce bois de rose. Alors que le bois de rose du Brésil en contient moins. Ouais. Voilà, c'est ça. On est bien donc dans la famille des Loracées, donc de la famille du laurier noble. Pour nous qui connaissons plus facilement en métropole le laurier noble, le laurier comme dans la sauce, le bois de rose fait partie de la même famille de plantes, c'est le même arbre. Donc là on a 30 kg de copeaux à peu près. Entre 30 et 40 kg, ça dépend si le bois est sec ou il est vert, ça change un petit peu. Donc l'eau qui passe, l'eau en traversant, donc l'eau est chauffée. Voilà, c'est ça. Alors donc tant que les essences aromatiques sont encore dans la plante, on parle toujours d'essence aromatique. On ne parle pas encore d'huile essentielle. Donc là, les copeaux sont dans la cuve, ils vont être traversés donc, par la vapeur chaude, issue de l'eau de pluie, donc rien de plus naturel comme vous l'expliquez tout à l'heure Christophe. L'eau traversant les copeaux va éclater les petites poches qui contiennent les essences aromatiques, libérer les essences, et c'est là toute la magie, c'est dans ce tuyau-là. Le tuyau dans lequel arrive la vapeur chargée des molécules aromatiques, lorsqu'elle est refroidie dans ce petit tourbillon, redevient liquide et à ce moment-là seulement peut enfin parler d'huile essentielle. Donc la plante contient l'essence et ensuite, issue de la distillation, sortira l'huile essentielle et hydrolat. Et le fameux hydrolat. Donc l'huile essentielle va contenir toutes les molécules, alors c'est un terme technique, mais tous les principes actifs qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans le gras. Et dans l'hydrolat, on retrouvera donc toutes les molécules hydrosolubles, donc solubles dans l'eau.